couples, tels enfants. Merci pour les pasteurs. Nous demandons que cette nuit, tu ouvres nos yeux, notre entendement et aide-nous à voir tout ce que tu as dans la parole pour nous au nom de Jésus-Christ. Fortifie ton peuple, investis-nous de pouvoir et nous prions que cette semaine, que ce que nous n'avons jamais vu, ce que nous n'avons jamais connu, le surnaturel, la puissance, de grands miracles dans chaque cœur, dans chaque âme, au nom de Jésus-Christ. Confirme ta parole dans chaque cœur aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous prions. C'est tout l'amour que vous avez. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes déjà bénis. Asseyez-vous. Nous allons aux Hébreux. Hébreux, chapitre 2, verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Je veux souligner ces trois mots dans le verset 9. Mais que et mais nous voyons Jésus. Et l'apôtre écrivait au sujet de l'homme. Il a commencé par le verset précédent. Il a parlé de ce que le psalmiste a écrit que Dieu a créé l'homme un peu bas qu'un ange. Et maintenant, Dieu a tout remis entre les mains de l'homme et il a tout mis sous ses pieds. Mais il dit qu'en voyant l'homme, il voit l'homme d'un côté et l'homme comme vous, comme moi. L'homme comme Adam, l'homme comme le descendant d'Adam, et que tous ces hommes n'ont rien vu qui était mis sous leurs pieds en totalité. Il est passé au dernier Adam, à Jésus-Christ, à l'homme, le Fils de l'homme, celui qui est venu du ciel, celui qui est a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges à cause de la mort, à cause de l'incarnation. Il est devenu un fils, un homme, et il est mort à la croix du calvaire. De cette manière, étant né en tant qu'un bébé, il était abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges en marchant dans les rues de Capernaüm, de Jérusalem. Tout le monde le regardait, voyait sa taille en tant qu'un homme. Il était abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Il a été persécuté. On le calomniait. Il pouvait avoir faim. Il pouvait pleurer sur Jérusalem. Il était abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Et finalement, il a été trahi. Quelqu'un est venu mentir sur son compte, il a été trahi. Il a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Il a été amené à la croix, il a été crucifié. Et il ne pouvait pas le crucifier s'il n'était pas devenu un homme, s'il n'a pas été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Il a été enseveli et il était ressuscité. Je dis Christ était ressuscité. Il est ressuscité en puissance et en autorité. Maintenant, c'est dit que nous voyons Jésus. Nous voyons Jésus. Il le regardait de par l'évangile. Nous voyons Jésus. Il le regardait comme il a porté notre fardeau et notre chagrin sur la croix. Et nous voyons Jésus. Et maintenant, nous voyons Jésus. Il le regardait dans la gloire. Parce que maintenant, les choses ont changé. Et il est allé au ciel. Et c'est dit que nous voyons Jésus qui a été
abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Il a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges et pour la mort vicariale, il était mort pour moi. Il n'est plus à la croix. Est-ce que votre Seigneur est encore à la croix? Non. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, maintenant nous le voyons là en haut. C'est ce que je considère ce soir. Nous voyons Jésus. Qui veut voir Jésus aujourd'hui? Vous allez le voir. Je dis, vous allez le voir. Mais nous voyons Jésus dans les jours de sa chair. Lorsque Jésus demeurait parmi les hommes, lorsqu'il a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, parmi les hommes que Satan a affligé, les hommes charnels, les hommes l'ont vu et ils étaient sauvés. Lorsqu'il était sur la terre, ces gens l'ont vu et il était délivré. Lorsqu'il était sur la terre, ils l'ont vu et ils ont été guéris. Nous allons voir Jésus. Au temps de l'évangile, ils l'ont vu. Et de grandes choses merveilleuses avaient lieu dans leur vie. Maintenant, à la croix, il y avait un homme là-bas à la croix. Un homme condamné. Un criminel. Un pécheur terrible. Il mourait. Et il passait ses derniers moments sur la terre. Mais est-ce que vous savez que l'homme condamné là a vu Jésus et il a été pardonné, il était libéré, il était conduit au paradis. Il a vu Jésus disant, Seigneur, souviens-toi de moi dans ton paradis. Là, il a vu, dans ce moment critique, Jésus a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Et après la croix, après la résurrection, regardez Étienne. Étienne était persécuté. Comme il regarda les cieux, il dit, je vois les cieux ouverts. Je vois Jésus, le Fils de l'homme, se tenant à la droite de Dieu. Il a été conduit au ciel. Il a été transporté au ciel. Il a vu Jésus. Vous allez le voir. Et puis, ici, voici Saul. Ce Étienne, je n'avais parlé de lui. Voici Saul de Tarse. Il allait à Damas. Soudain, il a entendu son nom. Saul, Saul, pourquoi me persécutais-tu? Il a regardé en haut. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus. Il a vu Jésus. Il était totalement transformé. Avant la croix, et à la croix, et après la croix. Quiconque voit Jésus à la transfiguration, est transfiguré, est changé, est complètement transformé. Nous voici après la croix. Je veux le voir ce soir. Je dis, je veux le voir cette nuit. Voyons, nous allons voir Luc chapitre 5. Seulement voir Jésus et toute chose changera dans votre vie. Luc chapitre 5, verset 12. Jésus était dans une des villes et voici un homme couvert de lèpre. L'ayant vu, c'est ça, soulignez cela dans votre Bible, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Qu'est-ce qui suit là-bas? Aussitôt, la lèpre le quitta. C'est ce qui est arrivé lorsqu'il a vu Jésus. Quelque chose doit se passer dans votre vie lorsque vous voyez Jésus. Allons à Luc toujours. Luc 19. Luc 19, verset 3. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. C'était les jours de la chair de Zachée ici, lorsque Zachée cherchait à voir Jésus, qui il était. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Vous connaissez l'histoire. Alors, il est monté sur un sycomore
pour voir Jésus. Et verset 8, mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Il a vu Jésus, il était sauvé. Je vous le dis que lorsque vous verrez Jésus, quelque chose doit se passer dans votre cœur. Jean chapitre 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus. C'est un jour spécial dans votre vie, un jour spécial dans la vie de Jean lorsqu'il a vu Jésus. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et maintenant, nous sommes arrivés à cette session de voir Jésus. Acte chapitre 9. Acte 9, verset 27. Alors, Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur. Vous voyez, tout ce qu'il vous faut faire, c'est de voir Jésus. C'est pourquoi Hébreux 2, 9 nous dit que nous le voyons. Vous voyez, maintenant, le persécuteur est venu, le prédicateur. Celui qui luttait contre la croix, le calvaire, et Jésus a vu Jésus et les choses étaient devenues différentes. Votre vie deviendra différente. Votre famille deviendra différente. Le ministère de Dieu dans votre main deviendra différent au nom de Jésus-Christ. Regardez-le, toutes choses changeront. Qui lui avait parlé comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Alors Paul se référait à cela en Actes chapitre 22 verset 12. Or un nommé Ananias, homme pieux selon la loi et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit, Saul, relatant ce qui t'est arrivé à l'époque là, mon frère, recouvre la vue. Quelqu'un là-bas, votre vue deviendra plus claire. Recouvrez votre vue au nom de Jésus-Christ. Au même instant, je recouvrai la vue et je le regardai. Et dit, le Dieu de nos pères, ta destinée. Dieu merci, j'ai été choisi. Je suis choisi de faire le bien. Je suis choisi de bien faire et de prêcher l'évangile. Je vais prêcher. Pourrez-vous entendre? Je vais prêcher. Cette œuvre prospérera dans votre main. Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté. Et puis a fait quoi? Dites-le-moi. À voir le juste. Et à entendre les paroles de sa bouche. Vous voyez là-bas, Ananias lui a dit que le Seigneur t'a appelé. C'est afin que, bien que le voyant sur la route de Damas, tu vois le juste et que tu entendes sa voix. Saul ou Paul n'a jamais oublié cela. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 1. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous. Ouais. Qu'est-ce qui me donne la joie, la force, l'énergie divine? Qu'est-ce que vous croyez qui me fait courir? N'ai-je pas vu Jésus-Christ, notre Seigneur? C'est pourquoi, dans votre cœur,
Et dans votre vie, comme vous exprimez votre désir aujourd'hui, nous allons à Jean 12. Nous allons à Jean 12 et je lis verset 21. Jean 12, 21. S'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, tout le monde, dites-le-moi à haute voix, Seigneur, dites-le-moi, nous voudrions, dites-le à haute voix, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Maintenant, vous comprenez pourquoi c'est très important que vous allez vouloir voir Jésus. Nous parlons cette nuit du thème contempler Jésus dans sa plénitude médiatrice. Contempler, voulant voir Jésus, contempler Jésus dans sa plénitude médiatrice. Nous allons voir trois points. Persuader les pécheurs à voir Jésus porter nos chagrins. Persuader les pécheurs. C'est le ministère que nous avons, que nous interpellons les gens, que nous convainquions les gens, que nous persuadions les gens, que nous supplions les gens, que nous proclamions aux gens, que nous prêchions la parole de Dieu aux gens, afin que nous les amenions au point à désirer voir Jésus le Sauveur, à voir Jésus le sacrifice final, à voir Jésus la puissance qui va tout changer dans leur vie, qui va tout transformer dans leur vie. Premier point, persuader les pécheurs à voir Jésus porter nos chagrins. Deuxième point, convaincre les saints à voir Jésus pour la piété. Convaincre les saints à voir Jésus pour la piété. Ouais, lorsque nous venons dans l'évangile, nous venons dans le sanctuaire, dans l'assemblée des saints. Nous devons être convaincus, nous devons être persuadés. C'est comme nous voulons obliger tout le monde à nourrir de ce désir, à voir plus de Jésus. Après l'avoir vu au calvaire, vous devez aussi le voir au point de la résurrection. Vous devez même aller le voir à la Pentecôte, afin que comme vous êtes conduit, comme nous vous persuadons, et vous êtes maintenant enfant de Dieu, un saint de Dieu, vous allez vouloir encore voir Jésus de plus de sa grâce, de plus de son évangile, de plus de sa piété. Convaincre les saints à voir Jésus pour la piété. Troisième point, préparer ses serviteurs à voir Jésus dans sa gloire. Préparer ses serviteurs, et vous êtes l'un de ses serviteurs. Y a-t-il des serviteurs de Dieu dans la maison? Que le Seigneur lui-même vous fasse voir Jésus dans sa gloire. Quel est le premier point là-bas? Dites-le-moi. Persuader les pécheurs à voir Jésus porter nos chagrins. Nous retournons aux Hébreux. Hébreux chapitre 2, verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Il est devenu un homme, le Fils de l'homme. Il est mort pour nous. Il a souffert. Il était sur le bois de larmes, de pleurs. Et il a été fouetté. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Il a été crucifié. Et si c'est digne, il a souffert la mort pour nous. Et au milieu, c'est dit que, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit quoi? Il souffrit la mort pour tous. Alors, il n'y a pas de doute dans votre cœur. Quelqu'un va dire que, est-ce que je serai réellement sauvé? Il a souffert pour vous.
est-ce que mes parents, mes frères peuvent être sauvés? Il a souffert la mort pour tous. L'homme l'a été mauvais, la femme l'a trop mauvaise. Est-ce qu'ils peuvent être guéris? Oui, Jésus a souffert la mort pour tout le monde. La personne-là ne fait que pécher, pécher, pécher. Y a-t-il d'espoir? Christ a souffert pour tout le monde. Que la personne voit Jésus et tous ses péchés seront ôtés. Fais voir Jésus à la personne et la personne aura la paix de Dieu au nom de Jésus-Christ. Il souffrit la mort pour tous. Voici ce que nous voulons maintenant. Nous voulons persuader le pécheur à voir Jésus porter nos chagrins. Nous allons à Ésaïe. Ésaïe 53. Ésaïe chapitre 53. Nous lisons le verset 3. Ésaïe 53, verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, que le pécheur le sache, que le pécheur sache que toute la culpabilité, la souffrance et l'impiété du pécheur est retombée sur Christ. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il a souffert la mort pour tous. Que le pécheur le voie. Ne laissez pas les pécheurs voir seulement leurs péchés, qu'ils sont terribles, qu'ils sont méchants, qu'ils sont inutiles, qu'ils sont de vauriens, ils sont comme des vers, ils sont comme les grands pécheurs du monde. Peut-être c'est vrai, mais il faut qu'ils voient Jésus. Jésus a porté nos chagrins, notre souffrance. Cependant, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Qu'il le sache. Qu'il sache que Jésus a été blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Il a pris notre châtiment. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Il y a la miséricorde pour tout le monde, le salut pour tout le monde, la rédemption pour tout le monde. Il a souffert la mort pour tout le monde. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il faut ôter cette culpabilité de vous, cette oppression de vous, et transférer cela à Jésus. Ôtez votre peur de la mort, du jugement éternel et ôtez cela de vous et déposez-le sur Jésus parce que le Dieu Tout-Puissant lui-même a mis sur lui l'iniquité de nous tous. Quelqu'un doit le dire, quelqu'un doit les persuader que Jésus est mort pour eux. Dès qu'ils voient Jésus comme leur substitut, comme leur sauveur. Beaucoup seront sauvés au travers de vous au nom de Jésus-Christ. Actes des Apôtres, chapitre 8. Et nous lisons verset 29. Actes 8, verset 9. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Vous devez aborder les gens, vous devez aller vers les gens. Vous devez taper à leur porte. Vous devez entrer dans leur maison. Vous devez entrer dans leur char. Vous devez vous approcher d'eux et les toucher. Lorsque vous approchez d'eux, il n'y a qu'une seule chose à faire. Faites-les voir Jésus. Qu'ils voient Jésus. Que Jésus a porté leur culpabilité, leur grief. Jésus, Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Et il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Cette personne lisait Ésaïe 53 que nous venions de lire, que Jésus a porté notre chagrin, mais l'homme-là ne pouvait pas voir Jésus là-bas. Alors que Jésus était là, il lisait la bonne référence. C'est ce que nous devons faire aux gens. Il lisait la Bible, il n'allait pas comprendre. Il lise les références, les,
les traités chrétiens, ils lisent Matthieu, Marc, Jean, ils ne comprenaient pas, mais nous devons les aider à voir Jésus, que Jésus-Christ a souffert la mort pour tout le monde. Il a porté leur opprobre, leur angoisse, leur péché, et s'est dit, et comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était sur les signes. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tend. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, je te supplie, tu dois me dire quelque chose. De qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? » Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Il l'a aidé à voir Jésus, que Jésus-Christ a porté notre chagrin. C'est ce que nous devons faire, que vous devez faire en sortant, en disant aux gens qu'ils ne doivent pas périr, qu'ils ne doivent pas souffrir pour leur péché, ils ne doivent pas souffrir maintenant, ni dans le futur, ils ne doivent pas souffrir sur la terre, ni en enfer. Il faut les aider à voir Jésus, que Jésus est mort pour eux. Et puis, comme et les cheminaient, et comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» L'homme a vu Jésus, sa vie a changé, son cœur a changé, et la transformation. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Philippe lui dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Philippe l'a persuadé à voir Jésus et porter ses chagrins. C'est ce qu'on doit faire. Plusieurs sortes pour parler de la référence, des références bibliques, de la vie profonde, parler de ceci, parler de cela. On parle une heure aux gens sans que les gens voient Jésus. Mais nous voyons Jésus qui a souffert la mort pour tous. C'est la responsabilité, le ministère que le Seigneur a donné à tous. Et il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Dieu merci, il a vu Jésus. Les gens à qui vous parlez verront Jésus. Les gens à qui vous prêchez verront Jésus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Le salut est venu. Et la joie du salut lui a été donnée par le Seigneur. Voyons Romains chapitre 3. Romains 3, verset 9. Les gens que nous devons persuader, les gens que nous devons convaincre, qu'ils doivent voir Jésus. Romains 3, 9. Quoi donc sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Mais rappelez-vous, pour les juifs et pour les païens, pour tous ceux qui sont sous l'oppression du péché, sous l'emprise du péché, Christ a souffert la mort pour tous. Allez les persuader, allez les convaincre que Jésus a porté notre chagrin. Et selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Et il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils ont besoin de Jésus. Ils se servent de leur langue pour tromper.
Ils doivent voir Jésus. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Ils doivent voir Jésus. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche, regardez cela, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Coupable devant Dieu. Alors, c'est pourquoi tout le monde doit voir Jésus, qu'il est venu ôter notre culpabilité, il est venu ôter notre punition. Voyons verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ouais, ils seront justifiés gratuitement et tous leurs péchés gratuitement ôtés, totalement ôtés. Et la vie deviendra une nouvelle vie en Christ. Maintenant, alors, il faut les persuader. C'est ce qu'il faut faire. Nous allons aux actes. Actes des apôtres, chapitre 13. Comprenez, lorsque vous sortez, alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Je suis allé évangéliser. Faire quoi? Alors, allez persuader les pécheurs à voir Jésus comme leur sauveur, à voir Jésus comme leur substitut, à voir Jésus comme le porteur de leurs péchés, à voir Jésus comme le sacrifice final, et c'est lui qui a ôté nos péchés. Acte 13, verset 38. Acte 13, 38. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Voici l'apôtre Paul, c'est que c'est au travers de cet homme Jésus-Christ que regardez Jésus, il va vous sauver. Regardez-le, il vous pardonnera. Et c'est par lui que, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouvez être justifié par la loi de Moïse. 40. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez contenteur, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas qui s'entretinrent avec eux et les quoi? Dites-le-moi le mot qui est là-bas. Dites-moi ce que vous devez faire. Et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Aller de la culpabilité à la grâce. Persuadez-les. C'est ce que Paul a fait. C'est pourquoi plusieurs sont venus connaître le Seigneur. Acte 18, verset 4. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat. Et il persuadait, et il persuadait, et il persuadait des Juifs et des Grecs. Si vous prêchez et vous dites que les gens n'écoutent pas, peut-être vous ne présentez pas bien le message, vous ne leur disiez pas comment voir Jésus. Jésus voit le Messie. Comment voir Jésus, le dernier sacrifice? Vous savez, l'apôtre Paul, lorsqu'il a pris la Bible, là, il cache dans la Bible, son but, son intention, c'est de les persuader. C'est que cet homme, s'il vient de cette direction de la religion, je dois regarder la direction là, je vais le persuader. Si cela n'agit pas, regarde Jésus. Si tu viens de l'angle de la tradition, je vais lui montrer que la tradition ne peut jamais le sauver. Je vais lui montrer Jésus jusqu'à ce qu'il soit persuadé. Quand il regarde ses bonnes œuvres, je vais lui dire que ses bonnes œuvres ne peuvent rien lui faire. Je vais lui faire voir Jésus. Et quand il sort, tu dis que je connais Jésus, je vais le montrer aux gens et les gens vont le voir.
plusieurs seront sauvés à travers vous. Regardez votre Amen. Verset 5. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Verset 8. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Il a persuadé beaucoup de personnes qu'on peut voir maintenant, le Seigneur, la loi ne peut pas nous sauver, la cérémonie ne peut pas nous sauver. On peut le voir maintenant que les rituels ne peuvent pas nous sauver, l'ancienne alliance ne peut pas nous sauver, le temple ne peut pas nous sauver. Ils ont vu Jésus. Il faut les persuader à voir Jésus. Ils seront sauvés au nom de Jésus-Christ. Verset 9. Le Seigneur dit à Paul, en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi. Le Seigneur sera avec vous. Son esprit sera avec vous. Sa sagesse sera avec vous. La passion sera avec vous. Et vous allez parler avec conviction. Vous allez les persuader à venir au Seigneur au nom de Jésus-Christ. Car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Cela va se reproduire. Allons à 2 Corinthiens, chapitre 5. Nous lisons le verset 11. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 11. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Connaissant donc la crainte du Seigneur, parce que nous savons que le jugement vient, la seule échappatoire, c'est de voir Jésus, c'est de connaître Jésus, c'est de le recevoir, c'est de croire en Jésus et de le voir comme il est mort pour vous, de le voir comme il a ôté vos péchés, de le voir comme il a totalement éradiqué et le châtiment du péché. Le secret du salut, le secret de la libération, le secret de la transformation, le secret d'avoir la paix avec Dieu, le secret d'avoir votre nom écrit dans les cieux et être affranchi de la terreur, du jugement, de la condamnation à venir, c'est de voir Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Je prie que la sagesse de sortir et persuader les hommes à voir Jésus comme sauveur nous soit accordée par le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Nous allons au 12e point maintenant. Convaincre les saints à voir Jésus pour la piété. Retournons aux Hébreux. Hébreux chapitre 2. Versets 9 et 10. Hébreux 9, 9 et 10. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait. Ceci est convenable à Christ. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par la souffrance le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Il nous dit ici que lorsque vous voyez Jésus au salut, cela ne s'arrête pas là-bas. Que regardez, j'ai vu Jésus en route vers Damas. Lorsque je l'ai vu, j'ai dit Seigneur, je l'ai appelé Seigneur, je l'ai reçu comme Seigneur. Il est devenu mon Sauveur, mon Seigneur, mon Maître, le Messie que j'attendais. Et puis après ce salut, j'étais à Damas. Je priais 3 jours et 3 nuits. Et Ananias est venu. Il m'a imposé la main. Et les yeux physiques étaient ouverts. Je commençais à voir Christ dans les Écritures partout. Et je l'ai vu dans la gloire. Je l'ai vu dans la piété. Et dit, j'ai le salut.
et puis j'ai la sanctification. Maintenant, il est dit que, et car celui qui sanctifie, ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Il a dit, le salut c'est merveilleux, la sanctification est merveilleuse. Et puis il dit, 2 Corinthiens 5, 12, je connaissais un homme. 2 Corinthiens 12, je connais un homme, que ce soit dans la chair ou dans l'esprit, je ne sais pas. Il a été enlevé au paradis, au 3e ciel, et j'ai entendu des choses que je ne peux pas vous révéler. Que j'ai vu Jésus dans la gloire, je l'ai vu dans la grâce, j'étais sauvé. Je l'ai vu dans l'évangile, j'étais sanctifié. Je l'ai vu dans la piété, j'étais rendu saint. Je l'ai vu dans la gloire. Et il m'a dit des choses que je ne peux pas vous dire. Vous voyez, Jésus-Christ veut vous purifier. Il veut vous sanctifier, il veut vous épurer, afin que plus de piété vienne dans votre vie et qu'il rende votre service plus agréable à lui au nom de Jésus-Christ. Je dis, il rendra votre service plus agréable au nom de Jésus-Christ. Voyons Malachie 3. Malachie 3, verset 3. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera. Il les épurera. Voici les serviteurs de Dieu. Voici les saints de Dieu. Voici les gens qui servent déjà le Seigneur. Et il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Il le fera. Je dis, il le fera. Voyons, Psaume. Psaume 19, verset 8. Psaume 19, 8. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Verset 13. Qui connaît ses égarements, pardonne-moi ce que j'ignore. C'est la piété. Pardonne-moi, purifie-moi. Lorsque vous voyez Jésus comme celui qui purifie et épure, lorsque vous voyez Jésus comme celui qui sanctifie et rend pur, et les erreurs secrètes que vous ne pouvez pas voir vous-même, alors il vous les présente. Lorsque vous le voyez au salut, alors vous êtes sauvé. Maintenant, vous évoluez, vous le voyez, vous dites, mais est-ce que je suis en bon état? Il vous fait voir. Et vous allez et il vous purifie. Vous serez purifié au nom de Jésus-Christ. Psaume 51. Psaume 51, verset 8. Verset 8. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope. Purifie-moi avec les eaux et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Lorsque vous naissez de nouveau, vous êtes au plus blanc que la neige. Alors, si vos pieds sont comme le cramoisi, et vous laverez, vous serez plus blanc que la laine. Maintenant, l'homme de Dieu est affranchi du cœur. Et l'homme de Dieu dit que purifie-moi avec les eaux et je serai plus blanc que la neige. Et il nous donnera la piété dans l'âme, dans le cœur, dans notre pensée, dans notre esprit, et nous rendra plus blanc que la neige au nom de Jésus-Christ. Ésaïe, chapitre 6,
verset 1, l'année de la mort du roi Ozia, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, 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 est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison se remplissait de fumée. Alors je dis, comprenez, cet homme, Esaïe prêchait dans chapitre 1, c'est lui qui a dit, venez plaidons, chapitre 2, c'est lui qui a parlé des gens à venir à l'Éternel et qu'il puisse de l'eau du puits de salut, chapitre 3, c'est lui qui a condamné la mondanité et les abîmes sensuels et de ses filles de Sion. Chapitre 4, c'est lui qui invitait le peuple et leur disait que Dieu fera quelque chose de nouveau, quelque chose de grand dans votre vie. Chapitre 5, c'est lui qui dit que vous, ivrogne, vous appelez bien, mal, mal, bien. Il était un grand prédicateur et prophète. Maintenant, il a vu le Seigneur. Vous allez voir le Seigneur. Avant de voir le Seigneur, après être sauvé et né de nouveau, tu dis gloire à Dieu, je suis sauvé et tu te réjouis à cause de la joie du salut. Je suis sauvé, je suis sauvé. Tu vas ici, tu vas là. Je suis sauvé et tu dis à tout le monde, je suis sauvé. Mais là, tu as vu encore Christ dans sa gloire, dans sa bonté. Tu le vois encore dans son niveau très élevé. Tu le vois tu le vois très grand. Et maintenant, tu as vu que je l'ai vu. Je le vois avec je l'ai vu avec l'évangile de grâce. Je vais le voir avec la piété de cette grâce de Dieu. Verset 5. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu. Lorsque vous le voyez, vous le voyez encore, la pureté viendra. Vous le voyez encore, la sanctification viendra. Vous le voyez encore, il va purifier votre cœur, votre âme et votre vie. Mais mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. » Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. C'est la purification, c'est l'épuration, c'est la piété là-bas, c'est la sanctification là-bas. Après cela, lorsque vous devenez un vase purifié, un homme pieux, alors il dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici. Envoie-moi. Je répondis, quelqu'un là-bas. Je répondis, me voici, envoie-moi. Vous voyez, il n'enverra pas le pécheur d'aller convertir les pécheurs. Il n'enverra pas un aveugle aller ouvrir les yeux des aveugles, mais il enverra ceux dont le cœur est purifié afin d'aller convaincre les autres à voir le Seigneur et à le voir pour une plus grande piété. Matthieu chapitre 5, verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Après avoir reçu la miséricorde de Dieu, salut la grâce de Dieu, au salut la touche de Dieu, salut, vous devez encore désirer. Vous avez la passion d'être sanctifié. Je veux être purifié. Je veux avoir une plus grande œuvre de grâce dans ma vie, dans mon cœur. Le Seigneur verra ce désir, cette passion, cette consécration. Et le Seigneur vous remplira de la justice au nom de Jésus-Christ. Verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, dites-le moi, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Il veut qu'on aille de l'avant, qu'on consacre tout et qu'on mette tout sur l'autel afin que cette piété, une
œuvre approfondie de la grâce soit effectuée dans notre cœur. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Il y a quelque chose de plus grand que le salut, c'est ce qu'il nous dit. Il y a quelque chose de plus grand que le changement de vie. Lorsqu'on vient au Seigneur, il y a quelque chose de plus que la paix du cœur. Il y a quelque chose de plus que gloire à Dieu. Je suis maintenant juste. Jésus est venu dans mon cœur. C'est merveilleux. Mais il y a quelque chose de plus. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, ça veut dire que vous êtes né de nouveau. Bien-aimés, cela veut dire que vous êtes enfant de Dieu. Bien-aimés veut dire que vous êtes déjà sauvés. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. 2 Timothée 2, verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur, il y a un rôle à jouer. S'il y a quelque chose qui a tendance à venir sur vous et vous pollue et vous souille, peut-être ce que vous lisez, mais la personne avec qui vous discutez, c'est comme la personne ne sait pas bien parler, la personne vous présente des choses qui vous souillent, qui vous purifient. C'est dit, il faut vous purifier, il faut vous séparer de cette personne. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié. Vous serez sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Et lorsque cela se produit, vous saurez que Dieu fera usage de vous plus qu'auparavant au nom de Jésus-Christ. Philippiens 3, verset 7. Philippiens 3, verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Il y a des choses que j'appréciais et ces jouets qui peuvent ne pas être des choses de péché, mais ce n'est pas bon pour un véritable homme de Dieu, une véritable femme de Christ. Mais que maintenant je l'ai regardé comme une perte. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Afin de connaître Christ, il est déjà né de nouveau. Afin de connaître Christ, il est déjà un saint. Afin de connaître Christ, il est déjà un serviteur de Dieu. Il est déjà évangéliste. Afin de connaître Christ, et il a déjà visité le troisième ciel et est déjà venu. Afin de reconnaître Christ, je prie que vous le connaissiez plus. Il y a des gens qui viennent à une telle réunion et après le programme, après le message, et lorsque nous prions, et ils sortent et n'ont pas le désir, la passion, et n'ont pas l'enthousiasme, et n'ont pas le feu en eux. Je veux le connaître plus. Et ils demeurent toujours au même niveau. Quelque chose va se passer aujourd'hui, vous aurez un changement. Il y aura une transformation dans votre vie. Et afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant, quelqu'un là-bas cette nuit va se porter vers ce qui est en avant. Alors, vous allez arriver au niveau que vous n'avez jamais atteint. Vous allez avoir une mesure de la grâce de Dieu que vous n'avez jamais eue. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je prie que comme vous avanciez, que plus de la grâce de Dieu, plus de la bonté de Dieu, plus de la piété vous soit révélée, vous soit communiquée au nom de Jésus-Christ.
vous devez voir Jésus plus cette nuit. Cette nuit, vous le verrez plus. Cette nuit, vous le verrez plus. Nous retournons aux Hébreux, chapitre 2. Hébreux, chapitre 2, verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons. En tant que pécheur, on est venu voir Jésus et on est sauvé après le salut. En tant qu'un saint de Dieu, nous le regardons et il nous a sanctifiés. Ce n'est pas tout, mais nous voyons Jésus. Il est allé à la gloire. Il était exalté, il était mis à la droite du Père. Maintenant, nous le voyons, maintenant il nous baptise du Saint-Esprit. Ce n'est pas fini. Il y a encore plus. Il y a plus de ciel pour chaque âme ici, cette nuit au nom de Jésus-Christ. Regardez-le et vous allez monter. Voyez-le, vous allez faire le progrès. Voyez-le, vous aurez plus de lui au nom de Jésus-Christ. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Couronné de gloire et d'honneur. À cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour combien de personnes? Pour tous. Il convenait. En effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire, quoi? Dites-le-moi. Et qui voulait conduire à la mort, à la gloire, beaucoup de fils. C'est la raison pour laquelle vous devez le voir. Beaucoup de personnes disaient que je l'ai vu, j'étais sauvé, oui, mais ce n'est pas la fin. Que si vous le voyez plus, si vous le voyez cette nuit, si vous continuez de le voir, il va vous amener à la gloire. Il amènera sa gloire dans votre vie, dans votre cœur, au nom de Jésus-Christ. Il le va à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Maintenant, troisième point maintenant, préparer ses serviteurs à voir Jésus dans sa gloire. Préparer ses fils à voir Jésus dans sa gloire. Préparez vous-même à voir Jésus dans sa gloire. 1 Jean 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Y a-t-il quelqu'un là-bas? Nous serons semblables à lui. C'est ce qu'il veut faire. Il veut nous amener à la gloire. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque, combien de personnes, quiconque a cette espérance en lui, se purifie comme lui-même est pur. Il veut nous amener à la gloire. On va au Colossiens 3, verset 1. Voici ce qu'il faut faire. Voici votre responsabilité pour vous amener à la gloire. Colossiens 3, 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non aux choses et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Il veut vous amener à la gloire et non à la disgrâce. Vous devez savoir dans votre vie que tout ce qui ne glorifie pas Dieu, au revoir. Tout ce qui n'honore pas le Seigneur, je le dis au revoir. Au revoir dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Amenez beaucoup de fils à la gloire et il vous transformera. 2 Corinthiens 3, verset 18. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous, comme d'entre nous ici, combien de personnes ici, comme d'entre nous tous,
personne doit dire que je ne m'intéresse à cela. Tu ne t'intéresses pas au calvaire, au sang de Jésus, à la purification de l'agneau et que qui t'amène de la grâce à la piété, à la gloire. Vous devez vous y intéresser. Voici le pourquoi Jésus est venu payer le prix. Et s'est dit à coup, parce qu'il a fait ceci, vous allez vouloir qu'il vous prenne et qu'il vous élève et vous amènera plus au nom de Jésus-Christ. Vous allez arriver à la gloire du Seigneur dans votre corps, dans votre vie, dans votre ministère au nom de Jésus-Christ. Notons ce que le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur. C'est ce qu'il faut contempler. La gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Nous le regardons, nous le contemplons et nous transforme, et nous change, et nous transforme d'un niveau de gloire à un autre niveau de gloire. Voyons 2 Corinthiens chapitre 4, verset 1. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Vous n'allez pas perdre courage. Vous ne serez pas fatigué. Vous n'allez pas vous retirer. Je n'entends pas votre voix. Je vois certains là-bas qui disent, « Pasteur, pasteur, laisse-moi. Personne ne vous laissera si vous quittez ou si vous êtes fatigué. La force du Seigneur va vous ramener au nom de Jésus-Christ. » Parfois, un peu de découragement, parfois un peu de défi, parfois un peu de croisé de chemin, parfois un peu de problème dans la famille, un peu de problème au boulot. Je ne sais pas si je vais aller aujourd'hui. Vous allez vouloir venir à tout moment. Vous allez vouloir venir à tout moment. La force du Seigneur va vous élever au nom de Jésus-Christ. Nous avons reçu un ministère. J'ai reçu un ministère. J'ai reçu un ministère. Regarde-moi. J'ai reçu un ministère. Quand vous continuez à venir, vous regardez Jésus, la vertu de guérison de Jésus va aller à votre fils malade au nom de Jésus. Regarde mon fils, ma fille. Regarde mon mari. Regardez ma femme. Si tu ne t'es pas retiré à cause de ton mari, à cause de ta femme, toutes les bonnes choses que tu désires pour ta femme, pour ton mari, et comme tu regardes Jésus, la gloire viendra dans ta famille. La gloire viendra à ta femme, à ton mari. Il y aura le réveil dans ta famille au nom de Jésus. Tu as reçu un ministère. Avez-vous reçu un ministère? Où sont les gens là-bas? Vous avez reçu un ministère, vous ne serez pas fatigué. Vous n'allez pas vous lasser au nom de Jésus-Christ. Comme votre Père dans le Seigneur court, vous allez courir après lui. Et vous, certains d'entre vous, vous allez courir et le dépasser au nom de Jésus. Mais si vous ne vous dépassez, si vous ne vous levez pas, alors comment vous allez dire que vous, si vous ne vous levez pas, dire que à vos marques, partez. Sinon, vous allez rester en arrière, dire que pasteur spécial, toi aussi tu es spécial. La grâce de Dieu en moi est la grâce de Dieu en vous. Le même Jésus que j'ai vu, le même Jésus que vous avez vu. Cette nuit, toute chose au-dedans de vous recevra la gloire de Dieu au nom de Jésus. La puissance du Seigneur va entrer en vous au nom de Jésus. Si vous êtes prêts, alors il faut, alors si vous avez laissé vos bagages que ah, je veux quitter, non, il faut refaire votre valise. Nous allons monter, nous allons faire de plus grandes choses pour le Seigneur au nom de Jésus. Je vois la gloire de Dieu venir sur vous. Je vois la gloire de Dieu venir sur vous. Toute lassitude, tout épuisement disparaîtra au nom de Jésus-Christ. Alors, c'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde que nous avons été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Voilà le verset 16 ici. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Je ne perds pas courage. Je dis, je ne perds pas courage. Je dis, je ne perds pas courage. Rien ne me découragera. Il faut le dire pour vous-même. Vous aurez ce que vous disiez. Vous deviendrez ce que vous disiez. Vous allez monter l'échelle de ce que vous dites. Rien ne vous fera décourager. Non, il ne faut pas le dire, mais il faut le dire pour vous-même. Rien ne me fera décourager. Rien ne vous découragera. Rien ne vous écrasera.
rien ne vous chassera en arrière. Vous allez avancer. Vous allez monter. Il faut le dire, je vais monter. Je vais faire plus l'œuvre de Dieu. Cette œuvre prospérera dans votre main. Cette œuvre de Dieu va prospérer dans ma main. Toutes vos erreurs passées seront oubliées par le Seigneur. Tous vos problèmes passés seront ôtés par le Seigneur. La disgrâce du passé a été ôtée. Vous ne serez pas confus. Je ne serai pas confus. La gloire. La gloire. La gloire. La gloire sur votre vie. C'est fait au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Le renouvellement est venu. Car nos légères affections du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Un poids éternel de gloire. Un poids éternel de gloire. Une avalanche de gloire. Une abondance de gloire ira avec vous à partir de cette nuit au nom de Jésus. Parce que nous regardons, non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. La gloire de Dieu vient sur votre âme. La gloire de Dieu vient sur votre vie. Et cette gloire et la vertu du Seigneur va se multiplier dans votre vie, même à partir de cette nuit au nom de Jésus-Christ. 2 Pierre 1:3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, les participants de la nature divine. La nature de Christ vous sera transférée même cette nuit au nom de Jésus-Christ. Où êtes-vous? Tenez-vous debout et recevez cela. Tenez-vous debout et recevez. Le Seigneur veut que vous le voyiez. Voyez le plus. Voyez le plus. Quand vous le voyez, tous les péchés disparaîtront. Quand vous le voyez, même la maladie va disparaître. Quand vous le voyez, toutes vos souffrances disparaîtront. Quand vous le voyez, ces chagrins, ces découragements, tout disparaîtra. Quand vous le voyez, même la tiédeur, la lassitude va disparaître. Quand vous le voyez, tous les problèmes vont fondre. Quand vous le voyez, et toute la nécessité va disparaître. Quand vous le voyez, les écailles dans vos yeux disparaîtront. Quand vous le voyez, la culpabilité, la condamnation disparaîtront. Quand vous le voyez, une nouvelle vie. Et une nouvelle vie va commencer. Quand vous le voyez cette nuit, tous ces problèmes qui vous dérangent dans la famille, dans le lieu de travail, dans le ministère, dans l'église, tout disparaîtra. Quand vous le voyez cette nuit, la lassitude disparaîtra. Quand vous le voyez cette nuit, toute la pression, toute l'oppression, tout disparaîtra. Regardez-le cette nuit. Voyez-le cette nuit. Alors vous allez voir Jésus. Vous allez voir Jésus. Il est votre sauveur. Il est celui qui vous sanctifie. Voyez Jésus. Il est le surnaturel. Voyez Jésus. Pourquoi ne pas le voir cette nuit? Et votre crainte se dissipera. Voyez Jésus. Ces messagers de mort seront chassés de ta vie. Voyez Jésus. Et la connaissance viendra. La révélation viendra. L'illumination viendra. Nous allons voir Jésus. La puissance d'en haut viendra sur votre vie. Nous allons voir Jésus cette nuit. Et quand vous le voyez cette nuit, quand vous le voyez cette nuit, alors toutes les montagnes vont se déplacer. Toutes les montagnes vont se déplacer. Quand vous voyez Jésus, votre mer rouge sera divisée. Vous allez traverser. Quand vous voyez Jésus, il pourvoira à vos besoins. Vous ne serez plus pauvre. Vous ne serez plus pauvre. Il va vous donner la manne d'en haut. Quand vous voyez Jésus cette nuit, tous les besoins de votre vie seront subvenus. Frère, Seigneur, nous allons voir Jésus. Mon frère, faut pas quitter, nous allons voir Jésus. Sœur, faut pas quitter, nous allons voir Jésus. Le découragement va disparaître. Les maladies vont fuir. Les pouvoirs démoniaques vont fuir. Les problèmes vont prendre fin. Et toute l'activité du diable,
toute l'activité de l'ennemi. Tout disparaîtra. Je veux le voir. Je veux le voir. Je veux le voir. Je veux le voir. Pourquoi ne pas le voir cette nuit? Pourquoi ne pas le voir cette nuit? Il va te sanctifier. Pourquoi ne pas le voir cette nuit? Il va te purifier. Pourquoi ne pas le voir? Il va t'épurer. Pourquoi ne pas le voir cette nuit? La gloire viendra dans ta vie. Pourquoi ne pas le voir cette nuit? Et tout ce que vous désirez, je veux ceci, je veux là-bas, tout va se produire cette nuit. Je veux voir Jésus. Je veux voir Jésus. Contemplez-le. Regardez-le. Voyez-le. Prenez sa promesse. Recevez sa nature. Alors, je vais le voir. Je vais le voir. Et toute la tiédeur va disparaître. Vous ne serez plus fatigué. Vous ne serez plus là. Vous ne serez plus épuisé. Je veux le voir. Regardez-le cette nuit. Voyez-le cette nuit. Voyez-le cette nuit. La puissance viendra. La culpabilité disparaîtra. Vos chagrins disparaîtront. La grâce vous sera déversée. La grâce vous sera déversée. Et la bonté de Dieu viendra sur vous. La piété viendra sur vous. Une plus grande grâce viendra sur vous. Voyez-le cette nuit. Voyez-le cette nuit. Je le vois cette nuit. Je ne sois plus fatigué. Je le vois cette nuit. Je ne sois plus hélas. Je le vois cette nuit. Je ne suis plus abattu. Voyez-le. Voyez-le. Son nom est Jésus. Voyez-le. Il est sauveur. Voyez-le. Il est guérisseur. Regardez-le. Il est rédempteur. Contemplez-le. C'est lui qui brille toujours. Regardez-le. Il est la puissance de Dieu en l'homme. Regardez-le. Et tous vos problèmes prendront fin. Regardez-le cette nuit. Regardez-le cette nuit. Regardez-le cette nuit. Regardez-le cette nuit. Les maladies ne vont plus demeurer lorsque vous le regardez. L'affliction ne va plus demeurer lorsque vous le regardez. L'ignorance ne va plus demeurer lorsque vous le regardez. Regardez Jésus. Tous les problèmes de votre famille disparaîtront. Il va essuyer vos larmes. Il va essuyer toutes vos larmes. Regardez Jésus cette nuit. Toutes les choses qu'on vous a dit dans le rêve n'auront plus de valeur, ne vont pas s'accomplir. Les puissances des ténèbres qui luttent contre votre vie, contre votre famille, vous en serez délivrés. Vous aurez la délivrance. Regardez Jésus. Regardez Jésus et vous serez guéris. Regardez-le et vous serez délivrés. Regardez-le et là vous serez fortifiés. Regardez-le et il fera tout dans votre vie. Demandez, vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Frappez et vous sera ouvert. Et dit, il sauve. Jésus sanctifie. Jésus baptise dans le Saint-Esprit. Regardez-le seulement. C'est fini. Regardez Jésus seulement. Mais nous voyons Jésus. Mais nous voyons Jésus. Mais nous voyons Jésus. Voyez-le, voyez-le, voyez-le. Vos problèmes sont résolus. Au nom de Jésus, nous prions. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Moi, j'ai vu Jésus. Où êtes-vous? Levez ses mains. Père, au nom de Jésus, nous te remercions d'avoir révélé Jésus à chacun de nous cette nuit. Il a souffert la mort pour tous. Je prie, Seigneur, que la mort éternelle soit annulée en faveur de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. La mort prématurée est annulée au nom de Jésus-Christ. La mort non fixée est supprimée au nom de Jésus-Christ. La mort accidentée est détruite au nom de Jésus-Christ. Les maladies meurtrières, tout est ôté au nom de Jésus-Christ. Je prie que toute faiblesse pour faire que quelqu'un meure comme ça, je supprime cela cette nuit au nom de Jésus-Christ. La vie pour tout le monde. La vie abondante pour tout le monde. La vie spirituelle pour tout le monde. La vie surnaturelle pour tout le monde. La protection sur votre vie. Vous allez sortir, vous allez rentrer sous la protection de Dieu. À la maison, à l'église, vous êtes protégés. Vous êtes au bureau, vous êtes au marché, vous êtes protégés. Et que les messagers de Satan sont chassés et sont supprimés de votre vie au nom de Jésus-Christ. Recevez sa nature. Recevez sa piété. Recevez sa gloire. La faiblesse va quitter votre vie. La force va rentrer. La puissance va rentrer. L'autorité va rentrer. Et l'onction qui brille toujours
que cela opère dans votre vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Partout où vous allez voir Jésus. Lorsque vous priez, vous allez voir Jésus. Lorsque vous prêchez, vous allez voir Jésus. Lorsqu'il y a un problème, vous allez voir Jésus. À la croisée du chemin, vous allez voir Jésus. À tout moment de confusion, vous allez voir Jésus. Lorsque vous êtes fatigué, vous allez voir Jésus. Lorsque vous prêchez, vous allez voir Jésus. Lorsque vous évangélisez, vous allez voir Jésus. À chaque moment de votre vie, à la croisée du chemin, dans tout problème, voyez Jésus et vous allez garder votre victoire. Vous deviendrez plus que vainqueur. Je prie que la toute-puissance de Dieu sature votre vie à partir de ce moment. Le découragement n'est plus. L'épuisement est ôté. La faiblesse est ôtée. Vous avez vu Jésus. Vous ne serez plus les mêmes. Seigneur, confirme cela dans toute vie. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions.